Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce pont. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, nous commençons le boulot à partir de cette vidéo. Et nous commençons avec quelque chose de vraiment très lourd. C'est du lourd. Regardez l'écran, s'il vous plaît, les frères et sœurs, regardez ça. Que se passe-t-il ici? Est-ce que toute cette image a été tirée? Si vous le dites, vous allez penser que c'est de la blague. Cette image a été tirée d'une chaîne de télévision qui s'appelle ABC. Cette chaîne de télévision qui est située même en Australie. C'est un journal télévisé. Ils ont diffusé sans se rendre compte. Hein. Bon, en fait, ils ont diffusé sans se rendre compte, mais. Ils ont diffusé cela comme ça. Une image où on voyait des gens en train d'adorer le diable. Oh, sérieux? Quoi? Sérieux? Et qu'est-ce que les gens nous disent? Les gens disent que qu'une mystérieuse séquence d'un rituel satanique a fait apparition pendant un journal télévisé australien. La chaîne ABC n'a pas fourni d'explication. Est-ce que vous vous rendez compte? On dit que la chaîne même qui a fait l'objet de cette diffusion-là, elle n'a pas fourni d'explication à cela. Hey! Seigneur Jésus. Et c'est passé depuis le 21 octobre dernier. Moi, je n'avais pas vu ça. C'est tout de suite, tu veux tomber là-dessus. Vous voyez, non? Ça m'étonne, hein? Ça m'étonne. Ce qui m'étonne le plus dans cette affaire-là, c'est la manière dont les choses sont disposées ici. Vous voyez? On a l'impression de se trouver à l'église. Enfin, dans une église, quoi. Que se passe-t-il? Regardez bien. Je vais vous montrer les choses avec les détails. Regardez ici, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, là, c'est quoi? Ça, là, c'est une croix, non? Mais bien sûr que oui. En tout cas, quoi, là où? À l'église. Mais comme ici, on n'est pas à l'église, comme on n'est pas dans le saint, forcément, cette croix, elle ne doit pas être positionnée à la normale. Il faut que cette croix-là soit positionnée comme une épée. En fait, ça, c'est une croix renversée. Toutefois, il faut savoir qu'il y a la présence d'une croix quand même. Vous voyez, non? Le diable fait le diable imite Dieu, mais il fait le contraire de ce que Dieu fait en réalité. Vous voyez? Le diable, c'est la main gauche. C'est l'opposé de Dieu. Maintenant, la croix est là. Deuxièmement, quand on va plus loin, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement des bougies et un truc qui ressemble à un chandelier. Comme un peu dans la Bible. Quand on vous dit que le diable imite Dieu, même dans le royaume de Satan, hein, comme Dieu, lui aussi, il a ses 24 vieillards, mais qui sont en réalité des démons qui sont autour de lui et qui se prosternent devant lui comme chez Dieu. Donc, quoi, le gars, il fait du copier-coller, il n'invente rien, il fait du copier-coller même. Regardez. Après la quoi? C'est maintenant un chandelier avec des bougies. Vous voyez ça? Et on voit quoi? On voit une table. Comme à l'église. À l'église, souvent, il y a ce que vous appelez la chaise, je ne sais pas quoi. Et les gens peuvent déposer la Bible dessus, non? Lui aussi, il a sa Bible, son livre, c'est devant lui, comme à l'église. Comme à l'église. Et il a bien comme un prêtre. Un prêtre, oui, il a bien comme un prêtre. Mais si ça vient en blanc, on va dire que oh, c'est un saint. Donc il a bien en noir. Vous voyez quoi, le contraire de ce que Dieu fait. Il imite Dieu, hein, mais en faisant son contraire. C'est faux type. Hein? Et vu ça, c'est ce qui a attiré mon attention même. Dans ça, surtout dans ça.
Est-ce que vous avez remarqué? Et on voit le poids du diable qui est ici avec une jolie go même à côté. Genre lui, il est tellement choco qu'il se fait accompagner, qu'il se fait accompagner même du jolie go à côté. Tchè, tchè, tchè. Et la jolie go est là. Elle est là comme ça, elle le regarde. Et ça se passe ici. En plus de ça, on voit encore une autre personne ici, avec un piano en train de jouer aux instruments, en fait, qui est en train de jouer à un instrument de musique. Et la personne chante en même temps. Comment l'église? Ça m'étonne. Il y a trop de points communs, il y a trop de points communs entre cette image et ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Hein. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas même remarqué? Il y a trop de points communs, il y a trop de similitudes. C'est bizarre. Les choses se ressemblent ici. Les choses sont similaires. Regardez. Regardez. Et ça a été diffusé à cette chaîne de télévision. Ils ont fait ça. Et quand c'est passé là, même la journaliste qui était en train de diffuser cette émission, ce journaliste a été là comme ça. Ah, elle a ouvert la bouche et dit, ah, qu'est-ce que c'est? Et on entend le gars dire, gloire à Satan. Des milliers de personnes, des fois, mais des millions de personnes ont vu ça comme ça. J'ai dit, tchè, 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 tchè. Nous avons fait trois vidéos ici où on vous expliquait comment les gens représentent le diable sans le savoir. Et de cette vidéo, vous allez bien regarder cette vidéo, vous allez voir que ce symbole-là est apparu. Et c'est là qu'on filme que ce n'est pas la blague, c'est qu'on raconte. On raconte pas des histoires ici. Il y a des choses qui se passent. Tchè, 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 tchè. Avez-vous vu ça? Moi, je vais tomber là-dessus. Hein? Mais comment se fait-il qu'il y ait vraiment beaucoup de points communs en ça? Et ce qui se passe à l'église. À l'église, il y a un petit pianiste qui est là. À l'église, il y a juste, souvent il y a des croix. C'était même transport des gros croix en bois. Aussi à l'église, il y a aussi des cloches. Je n'ai pas vu de cloches ici, hein, mais il y a des cloches. Et pas seulement ça. Il y a aussi des bougies. Vous voyez les bougies. Seules les bougies qui sont ici sont blanches. Peut-être qu'il n'a pas eu l'occasion de les mettre en rouge. Sinon, ce serait en rouge ou en noir. Comme son vêtement. Et regardez. Et on voit en même temps ce signe qui est en bas ici. Ce signe qui revient à chaque fois. Ce signe que je vous ai montré dans la vidéo. En tout cas, cette vidéo apparaît ici. À la fin de cette vidéo ici, vous allez voir. Regardez, ce signe est encore là. Et ils sont sûrs de ce qu'ils font. Ce qu'on appelle les doctrines des démons. Le diable est venu tromper les gens, des êtres humains confusément. Et ces gens-là vont l'adorer sérieusement. Sérieusement, ils vont l'adorer. C'est vraiment triste, hein? C'est vraiment triste de voir des trucs pareils. Mais c'est la vie. Certaines personnes sont pour Dieu, d'autres sont pour le diable. C'est ça la vie d'aujourd'hui. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Le boulot vient de commencer et je suis chaud avant de fouiller des choses hors du commun. Vraiment, que tout ce que nous venons de voir ici soit des signes pour vous alarmer quand vous allez entrer dans un endroit sans savoir où vous êtes. C'est parti.